Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Brevet des collèges, Nouvelle-Calédonie, session 2017. Exercice 2. Voici un programme de calcul. Choisir un nombre. Ajouter 1 à ce nombre. Calculer le carré du résultat. Soustraire le carré du nombre de départ au résultat précédent. Écrire le résultat. Question 1. On choisit 4 comme nombre de départ. Prouvez par le calcul que le résultat obtenu avec le programme est 9. Question 2. On note x le nombre choisi. Question 2a. Exprimez le résultat du programme en fonction de x. Question 2b. Prouvez que ce résultat est égal à 2x plus 1. Question 3. Soit f la fonction définie par f de x est égale à 2x plus 1. Question 3a. Calculez l'image de 0 par f. Question 3b. Déterminer par le calcul l'antécédent de 5 par f. Question 3c, en annexe 1, tracer la droite représentative de la fonction f. Question 3d, par lecture graphique, déterminer le résultat obtenu en choisissant moins 3 comme nombre de départ dans le programme de calcul. Sur l'annexe, laissez les traits de construction apparents. Exercice 2, donc programme de calcul. Choisir un nombre, ajouter 1 à ce nombre, calculer le carré du résultat, soustraire le carré du nombre de départ au résultat précédent, et écrire le résultat. Ici, on a choisi 4 comme nombre de départ. Eh bien, on va ajouter 1 à 4, donc 5. Ensuite, on calcule le carré du résultat, 25. Donc 5 au carré, c'est 25. On soustrait le carré du nombre de départ. Ici, 25 moins 4 au carré, 25 moins 16, ça fait bien 9. Donc le résultat obtenu avec le programme est 9. Donc on note x le nombre choisi, exprimer le résultat du programme. Donc ici x, on ajoute 1, on met au carré. Et ensuite on soustrait le carré du nombre de départ, donc x moins x au carré. Donc voilà le résultat du programme en fonction de x. Maintenant, prouvez que ce résultat est égal à 2x plus 1. X plus 1 au carré moins x au carré. On développe x plus 1 au carré, identité remarquable. A au carré plus 2ab plus b au carré. X au carré plus 2x plus 1 moins x au carré. X au carré moins x au carré, 0, 2x plus 1. 2x plus 1. Donc, x au carré plus 1 au carré moins x au carré, ça fait 2x plus 1. Vous pouvez aussi voir x plus 1 au carré moins x au carré. Ceci c'est a, ceci c'est b. A au carré moins b au carré, a plus b, a plus b. Ensuite, a moins b, plus moins x. X plus 1 plus x, ça fait 2x. Plus 1 fois 1 fois x plus 1 moins x, x moins x 0 plus 1, 2x plus 1. Donc il y a deux façons d'arriver au résultat, soit par développement, soit par factorisation avec l'identité remarquable a au carré moins b au carré. Alors ici, sur la f, la fonction f de x est égale à 2x plus 1. Calculez l'image de 0 par f. Donc ici, f de 0, on remplace la valeur 0 dans x. 2 fois 0 plus 1, 2 fois 0, 0, plus 1, 1. B, déterminé par le calcul l'antécédent de 5 par f. Donc ici, résolution de l'équation 2x plus 1 égale à 5. F de x est égal à 5. Donc ici, 2x est égal à 5 moins 1, 4. 2x donc est égal à 4. X est égal à 4 sur 2 est égal à 2. Donc l'antécédent de 5 par f, et bien c'est 2. Alors question C, annexe 3C, la droite représentative de la fonction f. On a deux points de la courbe, 0, 1 et 2, 5. On va placer ça sur GeoGebra et on va tracer donc la droite. Donc on va placer les points A de coordonnées 0, 1. Alors pour placer les points de coordonnées 0, 1, on regarde en axe des abscisses 0, axe des ordonnées 1, 0, 1. Donc A et B
2, 5, donc pareil, ici, axe d'exercice 2, axe des ordonnées 5, donc ici le point B. Et on trace la droite qui passe par les deux points, A, B. Donc voici la courbe. Alors, par lecture graphique, déterminer les résultats obtenus en choisissant moins 3 comme nombre de départ dans le programme de calcul. Donc, si on choisit moins 3 comme nombre de départ, on doit calculer donc l'image de moins 3 par f. Donc, graphiquement, on prend moins 3 ici, moins 3, 0, moins 3, 0. On trace droite horizontale. On trace donc ici une droite horizontale vers, donc ici, x égale à moins 3. Voilà. Et on prend donc l'intersection. Et donc maintenant l'intersection ici avec la droite représentative de la fonction f, ça va être d, moins 3, moins 5. Donc on trouve donc d, moins 3, moins 5. Ici le résultat du programme, ça va être moins 5. Alors vérifions ça algébriquement. Moins 3 plus 1 au carré, moins 3 au carré. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Moins 2 au carré, 4. 4 moins 3 au carré. Moins 3 au carré, ça fait 9. 4 moins 9. Égal à moins 5.